Bonjour, alors je vais vous parler de, du théâtre de l'oblitération que certains lecteurs ont, ont trouvé euh, intéressant et ça me fait grand plaisir de pouvoir vous en dire quelques mots. Donc, théâtre de l'oblitération, voilà ce que j'ai eu envie de faire. J'ai eu envie de saisir un, un moment particulier de l'histoire des formes théâtrales au tournant du siècle, euh, c'est-à-dire au moment où s'opère une sorte de changement de paradigme. On passe d'une scène hyper frontale, agressive, la scène du In Your Face avec Sarah Kane en 1995 qui fait exploser le théâtre avec Blasted, à trois ans plus tard, euh, 448 Psychosis où elle donne à voir la disparition du personnage et avec la disparition du personnage, peut-être la disparition du voir au théâtre. Donc, c'est ce changement de paradigme que j'ai eu envie de. D'analyser. Et, euh, et pour ce faire, j'ai mobilisé le concept de l'oblitération. Donc, oblitération, ça veut dire littéralement qui raye la lettre, qui efface, qui rature, qui plonge dans l'oubli. Et euh, il m'a semblé que l'oblitération constituait un des ressorts principaux de ce théâtre dans lequel le voir se nie, à peine suggéré. Et l'oblitération, alors ce qui est euh, extrêmement intéressant, c'est qu'elle s'accompagne d'un retour en force du langage, d'une relitération, somme toute. Elle est relayée par une voix révélatoire et paradoxalement par une voix que j'ai appelée photogénique parce que cette voix major Le photogénique, c'est précisément ce qui majore la qualité des choses, des êtres, euh, qui accroît en quelque sorte la qualité euh, de, euh, de, de ce qui est euh, reproduit par, par l'image. Le concept d'oblitération, je l'emprunte à Emmanuel Lévinas, qui, à l'occasion d'un dialogue absolument magistral avec Françoise Armango, définit en quelque sorte ce que l'oblitération peut faire à l'art et comment il peut aider à penser la présence, l'absence, la trace. Bref, ce que j'ai essayé de faire, c'est de montrer la pertinence fondamentale d'un tel concept dans le champ des études théâtrales contemporaines et dans le champ du théâtre britannique contemporain en particulier. Parce qu'évidemment, il y a cet extrême euh, paradoxe. Euh, précisément, <coughs> on passe précisément du New Brutalism à une sortie du visible, à la, de, de, de la toute-puissance du regard, il fallait tout montrer sous peine de négationnisme, euh, à euh, une méfiance à l'égard d'un voir qui aurait parti lié avec la surveillance. Euh, qui aurait parti lié avec le capitalisme, l'image marchande. Donc, le regard d'historique, en quelque sorte, demande à être réexaminé et la, la certitude spectaculaire qui est fondatrice du théâtre, hein, Théa, c'est la vue, euh, cette certitude spectaculaire fondatrice du théâtre, eh bien, évidemment, euh, euh, s'abolit. Euh, donc, ce que j'ai fait dans ce livre, c'est que j'ai essayé, dans, la, dans le siège de la pensée des phénoménologues, de décrire un visuel qui s'inscrirait en faux contre le visible. Et ce visuel, c'est en fait euh, ce qui permet de définir, pour le dire avec Clément Rosset, ce qu'on voit quand on ne voit rien. Alors, euh, ce que, donc, donc, je, je me suis intéressée à cette nouvelle phénoménologie, si vous voulez, euh, qui euh, mettrait en avant le perdre de vue. Et le perdre de vue ne serait plus une tragédie au théâtre, mais peut-être au contraire une, gar une garantie d'ontos. Ce sont donc les modalités de cette oblitération que j'ai tenté de cerner ici, en, faisant, euh, en dédiant une première partie à l'œuvre noire, c'est-à-dire à, à, à aux mélanographes, ceux qui font des formes avec du noir, tous les post-Békétiens, pour le dire vite, Edward Bond, Howard Barker, etc., euh, qui, chacun, euh, selon son objectif et sa poétique propre, euh, travaille sur le deuil du regard à l'aune d'un projet qui est euh, existentiel, politique ou métaphysique. J'ai consacré une deuxième partie à ceux qui trouent, qui perforent, qui évident. Une poétique traumatique, traumatique, un peu à, à, à la mode de ce que fait Sosno, justement, euh, ses statues travaillées à l'emporte-pièce. Une troisième partie dédiée aux dramaturgies narrativisées, en particulier à celles qui repose sur une photo dont qu'on ne voit jamais, qu'on ne voit jamais. Hein, donc les photos, les photodrames comme épiphanie négative en quelque sorte. Et enfin, je me suis intéressée à l'œuvre au blanc, c'est-à-dire à ces dramaturges qui sont des de véritables magiciens de l'absence, qui créent l'image en montrant qu'il n'y a pas d'image. Ce sont par exemple des artistes comme Simon McBurney ou Tim Crouch euh, dont il est question dans cette dernière partie voilà donc ce que j'ai voulu montrer c'est que à la tragédie du, de l'invu comme insu le théâtre de l'oblitération oppose l'invu comme seul lieu possible euh, du dire merci beaucoup de votre, de votre écoute.